Et nous voilà de retour pile là où on s'est laissé. Eh bien, salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre let's play sur God of War Ragnarok. Et ne vous inquiétez pas, j'ai bien fait gaffe, j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. J'ai bien pris le temps d'appuyer sur le bouton d'enregistrement et de m'assurer que l'enregistrement fonctionne. Et du coup, je salue Coco qui vient d'arriver sur le chat, ça fait trop plaisir de te voir ce soir, qui nous dit coucou, ça va Corbel, je vais pouvoir quand même rester sur le live. Finalement, et ben ça fait super plaisir. Installe-toi bien dans le chat et puis bah, continue l'aventure avec nous. Et Maxime qui salue YouTube. Donc on va privilégier les quêtes secondaires. Ah! Attendez, elle va nous expliquer comment ça marche ce truc. Oh oui! Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir retourner dans les autres royaumes pour voir un peu pour les activer. Et d'ailleurs, de toute façon. Avec le mari et la femme elfes, là, ils nous ont donné une mission à faire à Alfheim, donc le royaume des elfes. Donc de toute façon, on voulait y retourner, donc on fait d'une pierre deux coups, c'est génial. Attends juste 2 minutes, s'il te plaît, Freya. Je veux juste m'assurer de... Ok, on est de toute façon bloqué là. Est-ce que tu peux juste tirer là-dessus, s'il te plaît? Merci. On est 8 sur le live, ça fait trop plaisir. Bienvenue à tous, merci d'être là. Cette serrure n'est pas comme les autres. C'est un retour en Si tu 2023 qui fait l'ouvrais, je pourrais plaisir. enchanter ton burin. Bruna. Vas-y, grave la lettre. Graver une rune dans la porte de la chambre cachée pour que Freya puisse l'ouvrir. J'ai juste fait un i. D'accord. Incantation. Je m'en charge. Wow! Cette nouvelle alliance nous ouvre déjà des C'est-il toujours ce genre de trait d'esprit? Oui, et c'est pour ça qu'on l'adore, Freya. Et c'est pour ça que c'est notre personnage préféré. Ce bon vieux C'est Mimir. encore ses ronces. Tu te rappelles quoi faire? Bien sûr. Ah, ok, elles sont casse-couilles. C'est des ronces, mais des ronces casse-couilles. Ah, j'ai pas réussi. Yes, ok. Un tronc est tombé dans l'eau. Il y a quelque chose dessous qui m'est inconnu. Mais ça, il faut. Ah, je peux choisir entre les. Ok, d'accord. Je peux choisir entre les différentes flèches. La voie est secrète. Ça, c'est sympa, ça. Et du coup, on peut aller explorer le monde comme ça. Ok. Est en vie. Eh bien, il tient plus de l'épave que du dieu. Il dort au fond d'un placard, mais il se remet. Comment l'avez-vous trouvé? En gros, grâce à Atreus qui est parvenu à accéder aux prophéties que les géants réservaient à leur espèce. Nous ne l'avons appris nous-mêmes qu'après la visite de Thor et Odin. Chez vous? La maison est-elle encore debout? À peine, mais ce déferlement de violence n'était qu'une distraction pour permettre à Odin de s'entretenir avec Atreus. Ton fils s'est retrouvé seul avec Odin? Sais-tu de quoi ils ont parlé? Oui. Odin l'aurait invité à Asgard pour l'aider à trouver ses réponses. Réponses pour lesquelles il se rue vers le destin. C'est troublant. Ouais. Eh bien, si vous êtes prêt à lui parler, l'accès mystique se trouve devant. Sinon, vous pouvez m'aider à régler quelques affaires le long de la rivière. Ou nous pouvons aller voir ce sanctuaire elfique dans le désert d'Alpha. Plein de Préparation possibilités, du plein de si vous voulez continuer à possibilités. explorer la rivière.
Et nous ferons tout ce qui est secondaire avant de faire ce qui est principal. Ne t'inquiète pas, Freya. Et ne t'inquiète pas, Mimir. Coco qui s'est abonné avec son Prime, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Coco. C'est son 14e mois d'abonnement. Et qui nous dit, et ça fait 14 mois et ça fait plaisir pour te remercier de tout ce que tu fais. Et comme ça, tu feras davantage de live. Non, franchement, tu es le meilleur streamer et youtubeur. Bah, ça fait trop plaisir, Coco. À chaque fois que tu t'abonnes, tu me fais des messages qui vont droit au cœur. Donc, merci énormément. Ça fait super plaisir de te revoir dans le chat. Et ça fait super plaisir que tu t'abonnes pour ton 14e mois, putain, plus d'un an. C'est quand même fou, hein, quand on y pense. Mais voilà, merci énormément, ça fait trop plaisir. Du coup, on peut continuer à explorer le monde par ici. Je pense qu'on va, on va continuer à explorer par ici, hein. Avant de partir vers un monde, un autre monde. Parce que là, si on regarde où on peut aller. Maxime lisait qui a récupéré un reste hydraté. Merci beaucoup. Je bois une gorgée à ta santé. Ben, j'en ai même pris deux, tiens, j'avais soif. Et Edith Piaf qui est de retour. Resalut. Alors là, on ne peut pas encore aller à Muspelheim, à Nilfheim. Il y a les yeux d'Odin. À Vanaheim, il y a l'orbe mystérieuse. Parce que Vanaheim, c'est là où on est. Oui, c'est là où on est. Et Nilfheim, c'est où? Ah, c'est là où il y a les yeux d'Odin, ouais. Et Alfheim, c'est là où il y a le sanctuaire elfique. Donc, je pense qu'on va rester dans le monde où on est. Tant qu'à faire. Regarde, là-bas. Bien. Nous pouvons explorer la rivière et réparer de vieux torts avec un peu de chance. Avec plaisir. Moi, j'adore les quêtes secondaires de ce jeu, donc il n'y a aucun souci, Freya. Je me demande si on va jouer Freya à un moment, ce serait cool. Augmente la vitalité, ça c'est bien. Attends, parce que là il y a plusieurs rivières, je sais pas où on va. Là on va à gauche, ok. Ton lieu de mariage? Pourquoi voudrais-tu retourner là-bas? Pour me défaire des liens de mon mariage. Et d'Asgard. Oh, c'est un porc comme ça, un sanglier comme ça qu'on avait blessé, qui nous avait mené à rencontrer Freya. Ah, la paix a disparu de Freya, ok, donc on s'aventure dans une quête secondaire là, ok. Atteindre l'entrée de l'hôtel de mariage de Freya. Là où elle s'est mariée avec Odin? Peuplait jadis les abords de cette rivière. Elle voyait défiler des milliers de pèlerins en route vers le grand temple, jusqu'à ce que les As arrivent. Putain, mais matez-moi ce décor. Ok, bon, on va explorer ce petit endroit. C'est quoi ce bruit? Freya, ton frère a dit quelque chose. Les As l'ont. Une sorcière? Oui. Nous n'étions pas encore en guerre, mais les relations entre les Vannes et les As étaient déjà hostiles. Ça suffit, nous terminerons plus tard. Ah, il voulait devenir un kamikaze. Il voulait se faire péter, je crois. Attendez, là, du coup, là, si je fais le combo. Ah merde, là, il va exploser.
Donc là, si je fais le combo, il y a une onde de choc à la fin. Ah oui, c'est ça, ok. Putain, mais ces cris me font flipper. Hein. Ah là, il y a un singe. Maxime qui dit le retour du tueur de masse. Tu sais quoi faire de cette tombe, toi? Non? Putain, mais attendez, c'est compliqué de se repérer dans cet endroit. Ça a l'air assez grand. Je pense qu'il doit y avoir une sorcière là-bas. Non mais regardez, là, il y a aussi un tunnel. C'est quoi ce bordel? Wow, il y a trop d'endroits à explorer! Ça fait flipper. Ça fait flipper pour quelqu'un comme moi qui veut explorer absolument tout. Salut, tu veux venir dans la barque? Non? Ok. Ah là, je peux y aller. Ah non. Oh merde, désolé monsieur. J'ai fait tomber un gars dans l'eau. Mais je peux pas monter là. Oh là là, je sais pas où aller, hein, les amis. Je sais tellement pas où aller. Ah là, c'est l'entrée du camp. Le jardin d'Astrid. La nature l'a repris. Il était superbe autrefois. Oh là là. Attendez. Attendez. Il faut qu'on se la joue méthodique là parce que ça va devenir trop hard de se souvenir où on en est, où on va. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revenir en arrière parce que je me souviens avoir vu un corbeau. Et j'aimerais déjà juste m'occuper de ce corbeau. Mais putain, en tout cas, le décor insane, hein. Vraiment insane ce décor. Madame, j'ai des questions sur les quelques plantes que nous avons vues. Alors garde-les pour toi. Je n'ai pas l'intention de t'apprendre tout ce que je sais, Mimir. Oh, je ne faisais que demander. On t'a répondu. Je te demande pardon. Ah mais il y a le corbeau qui est là, mais je ne peux accoster nulle part en fait. Je sais pas comment venir là. Freya, comment ton frère en est-il arrivé à se faire brûler par les As? Eh bien, Freya s'était persuadée qu'il pourrait améliorer nos relations en partageant avec eux notre magie. Des techniques vannes pour garantir des récoltes abondantes et nourrir leur peuple tout entier. Pour le remercier, ils lui ont mis le feu. C'est vrai. Les As étaient trop impatients et indisciplinés pour les subtilités de la magie des vannes. Quand les choses ont mal tourné, ils s'en sont pris à leur maître. Vous savez quoi? On terminera plus tard. Attendez. Ah, ok, d'accord. Je peux directement tirer sur le feu. Bah heureusement que j'ai cherché à tuer ce corbeau parce que ça m'a permis de voir ce qu'il y a ici. Bon, du coup, c'est quoi? Le champ d'une Noken, sois prudent. Ouais, et ben je vais la buter en premier.
Là aussi, il y en a un. Ça, c'est bon, voilà. Mimir. Un autre pour l'autre. Il faudra l'abaisser. Qu'as-tu appris, mon frère ? Coco Kitty qui dit que Kratos est toujours autant une brute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est efficace. Hein. Dans son domaine, il est efficace. Quelque chose est suspendu dans l'arbre au-dessus de nous. Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Ah, ok, d'accord. Alors maintenant, on va attendre qu'il se calme. Comme ça, on va pouvoir transférer le feu d'une torche à l'autre. On va en mettre une là. Une là. Et une là. Oh là 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 là, magnifique. C'est beau ça. Tu crois bien que ça a marché? Eh bien, ça a marché. Et là, je vais pouvoir me faire le corbeau, je pense. Une poignée initialement forgée. Alors. Donc là, on a l'onde percutante à la fin. Regain de santé à chaque coup réussi avec la compétence piège du serpent. C'est quoi piège du serpent ? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc ça me donne un regain de santé. Franchement, c'est pas mal aussi, hein. Allez, on se laisse tenter. Mais ça me fume qu'on a toujours pas d'attaque runique puissante, hein. Ça, c'est un truc de malade. Coco qui dit j'ai dû louper des épisodes car la dernière fois que j'ai vu, il était avec Atreus. Je pense que t'as peut-être dû en louper soit un ou deux maximum parce que c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était avec Atreus. On a juste quitté Atreus quand on est parti avec Freya. Mais on va le retrouver dans pas longtemps, t'inquiète. Enfin, dans pas longtemps. C'est une façon de parler parce que je sais pas combien de temps je mettrai à faire les quêtes secondaires et on en a quand même 2-3. Ah d'accord. Bonjour. Ah ouais, donc là j'ai eu un regain de santé. Putain, c'est cool! C'est cool ça comme système. Comme ça, je sais que si je suis dans la merde, je fais des gros coups et puis ça me redonne de la santé.
Bon, alors, maintenant, on a fini d'explorer là. Maintenant, on va aller où? On va monter ici. Ou bien aller à droite. Est-ce qu'on va à droite ou à gauche? Parce que si je dézoome la carte, est-ce qu'on va beaucoup à gauche là? Putain, je sais pas trop. Ouais, on peut aller par là. On peut partir de ce côté-là. Tu sais, je t'aurais battu. Quoi? Tout à l'heure, si Atreus n'avait pas été là. Peut-être. Nous pourrions recommencer, histoire de nous en assurer. Je ne préfère pas. J'en étais sûre. Voilà, elle allait l'égorger, hein. D'ailleurs, j'ai eu si peur. Je m'en souviens. Oh. Oh. Ok. Je vais pouvoir accoster quelque part ici, j'imagine. Là. Oh, d'accord. Un accès mystique. Sympa. Ça vient, cette orbe? Bah, tu te calmes. Je viens de quitter le campement, ouais. Tu as bien fait d'étudier les runes. Oh. Si je la mets là et qu'après je la reprends. Merde. Ah non, ça marche pas. Ça, c'est con que ça marche pas quand même. Ah, ça devrait fonctionner, ça. Ben, peut-être si je suis là-haut, quelque part. Parce que là, je peux pas trop être. Non, je pense que c'est quand je suis de l'autre côté. Allons-y. Bon, t'as rien de nouveau à me montrer, je pense. Il y a juste ça que je peux vendre. Des cimiers de famille? J'en veux bien. Quelqu'un doit les conserver, même si ce n'est pas les vins. Voilà. Alors, du coup, comment on s'y prend? Ah, bah là, on sait qu'il y a cette rune-là. On pourrait la changer une première fois déjà. Parce que il y a des. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'elle soit déjà sur la bonne. Mais c'est peut-être possible qu'on la mette sur la bonne. Comme ça, par hasard. Oula. Il y a du monde, là. Attention, dans les airs! Voilà, comme ça, elle... Je me la suis faite. Maintenant, je peux m'occuper des autres. Qu'est-ce qu'ils sont chiants? Au-dessus, mon frère. Ils ont mis une petite musique. Oh! Il y a un esprit, comme dans le premier jeu. Ok, lui, il va nous demander quelque chose. Donc, les runes. Oh.
Putain, j'avais raison, regardez-moi ça! On a activé la bonne rune avant. Ça, c'est bien intuité, ça. Donc, il faut qu'on active un F et un R. Ah là, il y a quelque chose. Quelle stupidité. Mon âme ne peut se voir accorder le repos tant que ne l'auront pas trouvé. Bon, alors, dis-moi ce que tu veux, ma belle. Qu'est-il ? Je suis morte. Et vous allez m'aider. Bien sûr, Gunhild. Mais que pouvons-nous faire ? Lorsque les Eneria ont attaqué, il ne fallait riposter. J'ai proposé d'utiliser la magie celse. Vous étiez désespérée, je le comprends, mais... C'était stupide. Assurément. J'ai été tué avant que mon esprit ne soit corrompu. Ils n'ont pas eu cette chance. Vous devez les libérer. Bien sûr. Ok. La magie Seyi serait terriblement corruptrice. Ces pauvres âmes doivent souffrir le martyre. Offrons-leur le repos éternel. Bah écoutez les amis, je crois qu'on va pas continuer l'histoire principale avant longtemps, vu le nombre de quêtes secondaires qui nous pop à la gueule. Mais c'est pas grave. Si les quêtes secondaires sont bien, ça vaut la peine. Oula le... Les pendus, je les ai pas trop respectés, là, les pauvres. Oups. Oups, 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 oups. C'est bon ? Une pièce d'armure portant la marque de Lunda. Dommage qu'elle soit endommagée. C'est du bel ouvrage. Pourquoi la laisser ? Tu te méfies d'elle, mon frère ? S'il était si important, elle n'aurait jamais abandonné cette orbe. Hein, peut-être. Ah, du coup, là, on aurait pu prendre cette corde pour aller directement là-bas et frapper ce truc. Mais on n'en a pas besoin, parce qu'on a directement choisi le bon... Il y a certainement des séismes plus loin. Nous devrons trouver un autre chemin. Ça, c'est bien géré. Ça, là-bas, je sais pas trop comment gérer. Ouais, on devra trouver un autre chemin, comme tu dis. Les âmes de mes amis sont toujours corrompues. Je me demande comment grimper là. Rendez-leur la liberté en les tuant. Pas avec ces ronces dans le passage. Avec ma hache, ça marche pas, on est d'accord. Non, c'est que avec mes... Mais j'arrive pas à les jeter aussi haut, on est d'accord. Non, je ne peux pas. Il y a bien ça. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Parce que si je le fais tomber, ça brûle le sol, mais ça fait rien de plus. Ah, attendez, peut-être... Ah, mais je suis con. Peut-être que je peux... Est-ce que je peux faire ça? Tac. Ça va jusqu'aux ronces. Ensuite... Tac. Merde. Oh, on peut le rendre plus grand. Oh! Ah d'accord! Putain, mais ça, je le savais pas! Ah d'accord! Mais... Ok! Je ne crois pas que nous puissions l'atteindre ici. Ok, ça change tout, ça! Ça change tout! Ça change vraiment tout! Donc là, si j'en pose une là, que je la rends grande, que j'en pose une là, que je la rends grande.
et que j'en pose une là, et que je la rends grande. Là, c'est bon. Ah non. Ah, il y a une limite de temps. Ok, donc on va tenter d'aller le plus vite possible. Ah non, ça a pas marché. Ça a pas marché. Peut-être qu'alors je peux en mettre une là. Une là. Et une là. Ok. Putain, c'était pas facile, hein, mais heureusement qu'on a compris ça, quoi, parce que il y avait rien qui nous l'expliquait qu'on pouvait l'agrandir. Mettez fin à leur souffrance. À moins que j'avais pas compris, quoi. Alors, quel effet cela fait-il d'être... Oh, ça, c'est intéressant de le noter, ça. Tout a changé. Mais il est déjà sur le F. Unique vient d'apparaître. Tu le vois ? Megan. Le lieu du mariage devrait être accessible. Putain, c'est quand même trop stylé, hein. C'est quand même trop stylé. Oh là 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 là. Donc là, c'est un F, mais c'est pas le bon F, c'est ça? Ah non, je crois qu'il a les branches vers le bas. Et là, je fais comment pour monter là? Je peux pas monter par là? Je peux pas sauter là? Ah si, je peux. Ok. Oula. Ou merde. Il bug. Ok. C'est bon. Ah, là, c'est le bon. Ok. Il me manque plus qu'un R, mais où est le R? Je l'ai vraiment pas vu, hein. Est-ce que vous l'avez vu par hasard dans le chat? Si jamais vous voyez la rune, vous me dites. Mais moi, je l'ai pas vu, en tout cas. Peut-être de l'autre côté, là-bas. Coco qui dit sur ta gauche. Sur ta gauche? Attends, je me remets là où j'étais. Hein. Je crois que j'étais là. Alors, où est-ce que tu l'as vu? Parce que là, il y a le coffre. Là-bas, il y a la première rune que j'ai activée. Et là... Non, la première rune que j'ai activée, elle était là-bas. La deuxième que j'ai activée, elle est là. Et là, il y a le coffre. Mais la dernière rune... Je sais pas où elle est.
Est-ce qu'elle serait tout simplement autre part, sur une autre rive? Parce que là, la première qu'on a activée, elle était quand même sur une autre rive, carrément. Hein. Donc peut-être... Oui, oui, j'ai bien compris, hein, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Mais t'inquiète, je m'occuperai de ta situation plus tard. Hein. Ça, tu peux me croire sur parole. C'est peut-être quelque part par là. Hein. Et là, si je vais là, ça m'amène où? Ah, ça me fait remonter par là. Là, il y a un corbeau. Là, il y a un trésor. Ah ouais. C'est quoi ce point d'interrogation? Je comprends pas ce que c'est ce point d'interrogation. Non découvert. Pourtant, je suis passé par là. Attendez, je vais explorer cette rive. On verra bien où ça nous mène. Ah ouais, il y a une corde là. Faut l'avouer, nous faisons une bonne équipe. Je suis le savoir, Kratos est la force, et madame est... La sagesse. Garde ça pour plus tard. Je crois qu'un combat se prend. À droite! Attention! Oh. Ok, ça c'était radical. Ah, il y en a un deuxième. Ça passera. Reste sur tes gardes, Kratos. Oh merde, pierre de résurrection. Ok. Ah putain, il m'a abattu direct. Il m'a abattu direct. Ok, il était pas facile celui-là. Je me suis fait submerger par le poison et la flamme. Où est-ce que j'apparais? Ah, directement là, ok. Oh!
brûle, Kratos. Ça passera. Ça passera. Il est marrant, lui. Coco qui dit la rage partiate est toujours autant stylée. C'est vrai, elle est bien stylée. Tout n'est que mais non. Encore. Esprit. Freya, vous êtes revenue. Astrid, que t'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à ton jardin? Les Eneriar, l'œuvre de ma vie, anéantie. Voyez ce qu'est devenu l'hommage que je vous rendais. Je suis désolée, ma reine. Tu ne me dois aucune excuse, ma vieille amie. J'avais juré de prendre soin de ce jardin jusqu'à votre retour. Vivre à jamais dans sa putrescence est un juste châtiment. Je reviendrai, Astrid. Kratos, nous devons purifier ce jardin de tout poison. Pourquoi ? La terre est à l'image de ceux qui la cultivent. Tant que celle-ci sera meurtrie, son âme le sera aussi. Nous devons détruire les totems. Ils empoisonnent le jardin. Et si cette jarre enflammée faisait connaissance avec ta hache ? Oui, mais comment je fais, Mimir ? Est-ce que ça, tu peux me le dire aussi ? Connaissance... Ah, voilà, comme ça. La vie renaît dans le jardin. Ah, ok, c'est juste ça qu'il faut faire pour cette quête secondaire. Moi, ça me convient bien. Ça, je peux pas ouvrir... Quand mon jardin s'épanouira, mon âme fera de même. Le jardin souffre toujours. Il doit rester du poison quelque part. Il est fait mention d'un sort qui endort les trolls et d'une relique magique capable de l'annuler. Maxime qui dit je vais dans un autre live, à bientôt. Eh bien, à bientôt, Maxime. Les déclenchés pourraient nous aider. Bon live, du coup. Attends, elle est où la source ? Ça va pas le faire comme ça. Comment je dois faire? Depuis un endroit en hauteur? Ou bien là? Non. Ou bien là? Non, pas par là. Ah, par là peut-être. Moyen d'entrer depuis ta position. Oui, donne-moi juste 2 minutes. Cela nous éclaire-t-il? Terminé. Retournons auprès d'Astrid.
Et on va pouvoir aller voir Odin. Les corbeaux d'Odin. Ah non, putain. Ah non, putain. Ah ouais, en fait, il est super loin. Ok, il faudra que je me pose autre part. Bonjour. Bonjour. La terre, elle vit à nous. Ton jardin pousse à nouveau. Freya, comment avez-vous ? Tout va bien, Astrid. Il est temps de tourner la page. Merci, déesse. Je vous aimerai toujours. Moi aussi. Tu as fait preuve d'une grande bonté. Ce n'est que temporaire. Le jardin mourra. Toutes les choses meurent un jour. Ce n'est pas une raison pour les abandonner. Ah, une nouvelle amulette. Force et défense. Je pense que je vais remplacer avec le renouvellement. Une vieille pièce d'armure de Lunda. Tu posséderas bientôt l'ensemble complet. Trop cool. Et donc là, on arrive là où on était. Ok, oui, là on a déjà exploré du coup. D'accord, je commence à saisir. Mais là, il y a un endroit où on peut accoster ou bien? Parce qu'il y a quand même un point d'interrogation et il y a des trucs à récupérer. Non, ça a l'air complètement pas accessible. Ah si, si, si. Waouh. Ah ouais, d'accord. Fallait le trouver, hein, cet endroit. Ce cimier appartenait à Odin. Un cadeau de prêtre de mon peuple. Un gâchis de son talent. Oh, alors ça, je vais pas l'activer tout de suite. Dans le premier jeu, les amis... Ça, c'était... En fait, ça dépendait. Soit ça nous donnait simplement un objet, soit il pouvait y avoir des ennemis qui en sortaient, et ça pouvait être des ennemis très 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 puissants. C'est dégueulasse. Elle est disparue. Mais... Mais tu te fous de ma gueule ? Attendez. Non mais alors, je vais faire beaucoup plus simple. Tac, tac, et tac. Là, ça fonctionne quand même. Ah ! Dégager l'intérieur du bâtiment. Y vois-tu quelque chose digne d'intérêt ? Oui, ça. La porte est ouverte. On peut faire demi-tour et entrer. Super. Ah bah voilà. Voilà.
Attention. D'accord. Tu ne déconnes pas du tout, en fait. C'était tendu là! C'était tendu! Donne-moi un bon objet s'il te plaît. Ok, je sais pas trop ce que c'est. Mais ça fera l'affaire. Permet d'augmenter le nombre d'enchantements que l'amulette peut accueillir. Ah voilà, réparer à l'atelier. Ok, c'est comme ça. En fait, faut trouver un objet de réparation et après à l'atelier, il faut réparer. Ok, je comprends. Oh mais... Barrez-vous! Vous n'êtes pas les bienvenus! Ok. Donc là, on a tout découvert. Ok. Donc là, c'est découvert. Et là, on descend. Et là, on pourra monter après aussi. Tout ça, on n'a pas exploré, on est d'accord. Quoique. Ah, non, mais là, c'est pas où il y a le nid... y avait le Nidog. Peut-être qu'on a exploré avec Freya, en fait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la gauche, on va aller à la forge, et comme ça, on pourra se mettre cette amulette. Ah, mais ce corbeau-là, et cet endroit-là aussi, c'est toujours... j'ai toujours pas trouvé comment y aller, en fait. Et j'aimerais bien trouver comment... Là-bas en haut, il y a quelque chose. Peut-être c'est par l'autre côté de la... Plus nous approchons, plus je sens de la falaise. Tu es sûr de vouloir continuer ? À fond. Ah ouais, mais là je descends en fait. Passer a toujours un prix. Il faut que je le fasse. J'ai enduré cette peine trop longtemps. Cela peut surprendre, mais nous avons été heureux. L'espace d'un instant, j'ai cru naïvement que la paix durerait. J'irai plus tard. Tout ce que je voulais, c'était protéger les miens. Il n'y a pas de honte à cela. Non, mais j'ai échoué. Là, je vais d'abord juste gérer ça.
ramasser des bouts de mon armure. Je la remettrai à neuf pour toi. Mais avant, j'aimerais que tu retrouves mon orbe, vu que je fais ça gratuitement et tout et tout. Il était temps que je m'occupe. Ah. Donc là, je peux l'améliorer. Voilà, comme ça j'ai trois emplacements. Et au niveau de l'armure... Ah, voilà. Ok. Les attaques au corps à corps portées à des ennemis empoisonnés infligent plus de dégâts. Ah, mais ça fait chier, ça, parce que ça m'intéresse pas du tout comme compétence. Je vais plutôt m'améliorer ça pour l'instant. La vache, je suis beau ou pas ? C'est très bien. Et là... Ouais, c'est pareil, hein, ça m'intéresse pas, malheureusement. Ils ont des bonnes stats, mais la compétence est inintéressante, en fait. Parce que j'ai pas de moyen de... d'empoisonner les ennemis, en fait. Ce qu'on peut faire. J'achète. Et puis, je revendrai à bon prix quand les vannes décideront qu'ils en veulent. Je pense que je vais augmenter la chance. Pierre de résurrection supérieure, ça c'est important. Et voilà. Du coup, là, je peux mettre celui-là ici. Pour avoir plus de chance. Donc, mais ça change rien à nos affaires que ici on n'a pas découvert où c'était. Attendez, on en est à combien de temps au niveau de l'enregistrement? On est à 58 minutes. Bah, je pense qu'on va faire ça au prochain épisode, hein. On va s'arrêter là. Au prochain épisode, on va aller là-bas, voir le lieu de... Attendez. La conscience des défunts, l'orbe mystérieuse. Chute de la déesse. Enfin, on va aller là-bas en bas, pour essayer de trouver la troisième rune qui ouvre le coffre. Et qui est sûrement par ici, je pense, qui nous permettra d'accéder là-bas. Et en fait, ce qui me fait penser qu'il faut que j'aille derrière pour arriver ici, c'est que là, il y a un trou, vous voyez, dans la montagne. Et ensuite, ça permet de descendre là. Donc, je pense que ça sera derrière qu'on pourra accéder à cet endroit. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Likez, commentez, abonnez-vous sur Twitch et YouTube. Vous connaissez les bails. Merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette aventure. C'était Corbel. Out.